les gens ne m'intéressent pas. Mais pour moi, MK Michel et Bob Dylan n'est pas un couple éducatif. Donc, ils n'ont rien d'intéressant à part vous montrer la belle vie. Je vous assure que tous ceux qui suivent MK Michel et Bob Dylan là, c'est ceux qui aiment, donc, qui aiment la vie de rêve qu'ils ne vont jamais avoir, qui passent tout leur temps devant le téléphone au lieu de partir travailler. Parce que pour moi, sincèrement, là, MK Michel ne peut pas se placer, que j'ai souffert avec mon gars, que j'ai supporté Bob Dylan dans la galère. Ça, ce n'est pas une vraie fille. Tous les jours, toujours là, dans les restaurants, dans les grands appartements, même si c'est pour vous, gars, montrez, vous avez déjà un impact sur la société. Vous êtes déjà un impact sur la société. Normalement, faites cette chose, pensez aussi aux enfants même qui vous regardent. Parce que vous êtes en train de mentir comme ça, une petite fille va aller voir son gars. Elle va dire que bébé, pourquoi tu n'es pas aussi comme Bob Dylan? Pourquoi tu n'es pas aussi romantique comme Bob Dylan? Pourquoi tu peux pas aussi me faire la même surprise et tout? Ça va engendrer des problèmes, ils vont se séparer. Moi si. Que d'être riche et de ne pas connaître la souffrance. Parce que quand tu travailles, quand tu forges avec ton gars et qu'à la fin, vous réussissez ensemble, gars, c'est un honneur. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est pas donné à n'importe qui. Gars, c'est un honneur, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà Monsieur Samuel Eto'o qui a construit sa vie, qui n'est encore rien, sa femme était avec lui. Ils ont réussi ensemble, ils ont forgé ensemble. Et aujourd'hui, elle est bien. Vous croyez qu'il peut manquer le respect de sa femme, même pas en rêve. Vous croyez, parce que sa femme, c'est toute sa vie. Elle a aidé dans la souffrance. Vous aimez toujours quand vous vendez le rêve. Moi, elle dit que pour moi, ils ne sont pas un couple exemplaire. Tu ne peux pas voir une personne qui travaille ça, qui travaille son endurement, ça soit pour regarder l'étude de MK Michel et Bob Dylan. Soit les petits filles comme vous qui aiment rêver. Mais moi, là, mon gars et moi, on ne va jamais vous donner ça. Tant pis pour vous si vous vous laissez impressionner par le matériel. Moi, on ne m'impressionne pas par le matériel. Les filles ont cousu les Abby Love, Bella Love, tout ça, Mayol, tout ça. Elles ont cousu le pagne. On est venu me tarer comme quoi, Dana, toi, tu coupes le pagne. Je fais en fonction de mes moyens. Je vous ai déjà rappelé ça ici. Si je vois que coudre le pagne, moi, n'est pas nécessaire. Je ne coupe pas. Je ne fais pas les yeux des gens. Tu comprends, ma coucou? Avant de venir m'indexer dans tes conneries, regardez d'abord bien la personne. Je ne vais jamais vous montrer ce que vous voulez voir là. Et dis bien que je ne vais jamais vous montrer ce que vous voulez voir là. Et en plus, même quand tu vois même d'abord les réconciliations là, tu sens que c'est un truc arrangé. MK Michel a fait comment d'abord? Pour être bien maquillé, pour être bien habillé. Et puis, on fait la sérénade, ça vous fait rêver jusqu'à madame vient me taguer dans les conneries. Je peux pas envier ce genre de relation. Je peux pas. Parce que même si on regarde, Kalam Kali et Mariam là. Gars, pour moi, c'est un modèle. Ils font leurs vidéos chez eux. Et je ne suis même pas sûr que Bob Dylan ou bien MK, ils ont l'argent que Kali et Mariam ont là. Mais ils ne sont pas là pour se montrer. Ça, c'est un vrai couple. Si aujourd'hui, Mariam et Kali se marient, parce qu'ils ont une grande maison, on va savoir comment ils ont commencé petit à petit. Et ça, vous voulez me comparer dans les conneries. Envier quoi? Je ne peux pas envier ce genre de relation. Allah, ma mère. Vous allez seulement dire que je suis jalouse, je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Complètement même. Une vraie femme, c'est ça qui forge avec son gars. Et ça qui travaille durement avec son gars. Vous vous laissez impressionner par la vie des réseaux. Vous vous laissez impressionner par le virtuel. C'est même que j'ai une fille d'abord qui est toujours bien habillée. Qui a tous les grosses perruques. Elle n'est jamais ton. Elle n'est jamais bizarre. Bon, chacun a son style. Chacun a son concept. Mais eux deux là, ils ont un concept. Est-ce que vous voulez même...